d'empêcher l'enfant de jouir, le nourrisson de jouir et le pédophile de jouir. Kinsey made it clear that this data was supplied by adult observers, who were defined as pedophiles by Kinsey's own team members. Les religieux, les catholiques. As you will hear later on. Kinsey wrote, some males suffer excruciating pain and may scream. The males in the present group, by which he meant pre-adolescent boys, become similarly hypersensitive before the arrival of actual orgasm, will fight away from the partner, and may make violent attempts to avoid climax, although, he said, they derive definite pleasure from the situation. Puisque Kinsey est un pédophile, il faut bien le dire, qui est mort en fait par un arrachement des conséquences infectieuses d'un arrachement des testicules, parce que ce grand savant très respectable, pour jouir, se pendait par les couilles, vous voyez. Kinsey's own sadomasochistic tendencies have been documented by a number of biographers. James Jones revealed that Kinsey once climbed into a bathtub and circumcised himself with a pocket knife, without the benefit of anesthesia. Another account of Kinsey's extreme self-abuse came about when his research was under investigation. Jones reports that after the Rockefeller Foundation withdrew his funding, Kinsey went to a basement, tied one end of a rope to an exposed ceiling pipe and the other end around his scrotum, then stood on a chair and jumped off. Pour vous dire quand même, on est très 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 loin de l'affaire Binti là, hein, voyez, voilà. Et n'oubliez pas aussi que cette démoralisation générale est un marché, parce qu'effectivement, par rapport à la moralité moyenne de l'Américain moyen, qui est la Bible, mais la Bible de John Ford, hein, la Bible, on va dire luthérienne, la morale classique empêche aussi la pédophilie, mais aussi le capitalisme de devenir financier et purement parasitaire et destructeur. La morale bourgeoise américaine traditionnelle amène effectivement à un capitalisme entrepreneurial et aussi à, comment dire, à la réussite par le travail, c'est-à-dire l'American way of life respectable. Been ranching since I was a kid, started when I was in FFA in high school, so probably when I was 16 years old, I owned my own cattle. It seems like the modern world is all plastic and made up and smoke and mirrors, and this old ranching heritage and the custom and culture that goes along with it is real, and it's down to the basics of life, of animals and plants and the environment, rain and those kind of things, that's all reality, God's creation. Le film de cowboy, hein, avec le gars qui bosse, hein, ça c'est voilà le luthérianisme respectable, voilà. Donc il faut démoraliser par le rapport Kinsey et faire exploser la sexualité déviante et généralisée. C'est l'intérêt à la fois des élites prédatrices, oligarchiques, pédophiles, et en même temps l'intérêt du capitalisme dans sa version financière, prédatrice et destructrice. C'est-à-dire c'est une entreprise générale de démoralisation. Parce que pour qu'on arrive au stade ultime de la domination parasitaire impériale, il faut démoraliser entièrement tout. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Oui, bien sûr, ça sort de... Et aujourd'hui, on voit que l'oligarchie mondiale est dans une phase où elle, à la fois, elle est sur le point de prendre le pouvoir, mais sur le point d'être démasquée et sur le point d'être, massacrée par le peuple. Donc, elle est à la fois très près de l'objectif final,
très, très, très violente, très illégitime et très inquiète. Donc, c'est pour ça que là, on est, je veux dire, à la veille de Satan démasqué et de Satan triomphant ou vaincu, c'est qu'on voit qu'on est dans l'apologie de la sexualité délirante généralisée. J'arrive plus à respirer. C'est quoi le mot de sécurité? Dans la propagande LGBT délirante, avec un barbu travelot, avec des images où on voit ça s'encule entre noir et blanc, en tout va, et dans une colère de plus en plus puissante du peuple. Hein, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Comme toi. C'était le cirque Pindare. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Et autour de lui, 5 ou 6 travelots, tu sais, en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, pourquoi il fait caca? Non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. Dans une disjonction de plus en plus grande entre le peuple, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et les élites. Ah, non, la France profonde qui se réveille. Allez, vas-y. Que... Ça vient du bas, là. Ça vient du terroir. Et dans une stratégie délirante des élites pour leur faire accepter une immoralité totale dont, au premier niveau, on ne comprend pas très bien l'objet. On comprend très bien pourquoi le pouvoir socialiste se bat autant pour l'enculade généralisée métisseuse, parce qu'en plus, on est dans le métissage homosexuel. C'est presque délirant parce qu'il n'est même pas reproductif. Mais on est dans un délire, on va dire, néronien, je veux dire, ou même pire, héliogabalien. Il faudrait relire Antonin Artaud sur la décadence des derniers empereurs romains. Hein, on est dans la partouze, l'apologie de la partouze généralisée. Et alors qu'en réalité, on est dans une période de chômage de masse et comment dirais-je, de censure totale sur des questions fondamentales, notamment comme la Shoah, voyez, hein. On a le révisionnisme, on a, comment dirais-je, la chape de plomb idéologique intégrale sur les questions morales et les questions historiques sérieuses, et la morale débridée imposée de force, avec notamment une loi pour interdire les gens d'avoir le droit que les femmes se posent des questions sur l'avortement, voyez. Dans le viseur du gouvernement, des sites comme celui-là, d'apparence banale. Certains proposent même un numéro vert avec un seul but, dissuader les femmes d'avorter. Au téléphone, voilà ce qu'elles peuvent entendre. Bonjour. On a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui les regrettent, quoi. Elles pleurent leur bébé, elles n'arrivent pas à s'en remettre. Désinformation, intox, au planning familial, on dénonce depuis longtemps ces méthodes. Ces sites pratiquent un délit d'entrave à l'IVG. La proposition de loi vise à les pénaliser, voire à les fermer, pour garantir que les femmes choisissent d'avorter en toute liberté. On va prendre les mesures nécessaires. Il y aura, avant la fin de la législature, des mesures qui seront prises pour justement faire cesser ces sites qui trompent les femmes. 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. On est vraiment là à la période charnière de la gouvernance globale ou de la révolte des nations, qui est aussi une révolte des peuples et de la morale populaire. Ça renvoie aussi à la common decency, c'est-à-dire au bon sens populaire, qui est, d'après Orwell, l'arme de résistance absolue face au fascisme authentique. C'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal. C'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste, dans les quartiers populaires, des structures de vie commune, hein, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour 2 heures, ça fera 20 euros ». Hein, il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables. Dès qu'on monte dans la société, l'oxygène moral se raréfie, hein, et il est beaucoup plus difficile à un homme riche et à un homme puissant de conserver ce bon sens et cette common decency qui sont encouragés non pas par la nature des simples travailleurs, mais par leurs conditions d'existence. Quand vous vivez avec 1200 euros par mois, la réalité est là pour vous mettre du plomb dans la tête. C'est ce que les catholiques appellent la loi naturelle. Hein. C'est vraiment aujourd'hui le combat
profond et final du peuple et de la loi naturelle contre les élites Lucifer, hein, et l'émancipation luciférienne dont il se réclame, hein, c'est-à-dire l'homme mesure de lui-même, l'homme sans Dieu, et aussi le nietzschéisme de gauche qui fait qu'un mec comme Onfray se prend les pieds dans le tapis, parce qu'à la fois il veut être populiste et en même temps il est sur la jouissance du nietzschéisme de gauche. Je dis simplement que le peuple, c'est ceux, ces UX sur lesquels s'exerce le pouvoir et qui n'ont jamais la possibilité d'exercer du pouvoir. Et tout ce petit prolétariat, tout ce petit peuple, tous ces paysans qui se pendent, savez-vous ce qu'est un paysan? Tous ces gens qui se pendent, les agriculteurs parce qu'ils sont en faillite, tous les artisans qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ne prennent jamais de vacances, tous les commerçants qui bossent 12 heures par jour, c'est ça le prolétariat Est-ce aujourd'hui. Que je peux vous poser... C'est ça, Yann, le peuple. Nous sommes des êtres de désir, avec des envies, des pulsions, et soit on s'interdit de vivre ces désirs-là, soit on les vit, mais en cachette, en se dissimulant toutes ces choses-là. Donc je dis, la famille, redéfinissons-la autrement. Moi, je suis hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel du tout, simplement je pense que les homosexuels montrent comment on peut refaire une famille. Comment un couple d'homosexuels peut repenser différemment la famille? Pas besoin d'un homme et d'une femme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. C'est totalement inconciliable. Mais comme en fait, il est beaucoup moins philosophe que ce qu'il croit, il n'a pas compris qu'il y avait un clash conceptuel dans sa petite tête. Il va falloir vraiment qu'il choisisse, hein, entre l'hédonisme du nietzschéisme de gauche et sa solidarité avec le peuple. Parce que le peuple, il est effectivement anti-luciférien profondément. Ça a aussi beaucoup à voir aussi avec la morale de la production, tout ça. Hein. Dès lors qu'on sort de la production et qu'on est dans le parasitisme, on est dans une immoralité pratique. Jean-Jacques Rousseau était le premier à faire cette remarque-là. Hein. Et on arrive effectivement à la décadence et à la délinquance totale. Hein. Et c'est pour ça que les délinquants du haut, les racailles du haut, tendent la main aux racailles du bas. Cette jonction se fait toujours contre le peuple, qui peut être d'ailleurs, qui est producteur, mais qui peut être par ailleurs aussi noir, blanc, musulman ou catholique. Hein, voilà. Donc c'est complexe, hein, toutes ces articulations. Il faudrait arriver à faire des schémas, etc. Et il faudrait presque que je passe du temps à produire, comment dirais-je, une espèce de tableau. Voilà, c'est un livre de philosophie réelle et profonde, et de sociologie réelle et profonde, et de politique réelle et profonde à écrire. Ouais. C'est mais le livre, ça je le fais par vidéo en instantané, parce vérité, qu'on n'a pas là, le temps, quelque part. Mais c'est sans doute aussi pour ça que quand on lit à la fois Kouzker, Michéa, Soral, alors peut-être que La Vilaine Lulu, effectivement, etc., en fait, je ne peux pas parler de Berger, mais je peux parler de pourquoi c'est une union sacrée, effectivement, de résistance à. Mais là, je n'ai pas le temps de me retirer pour faire Bagatelle pour un massacre 2, parce que on y est là, hein. c'est le titre du prochain bouquin, hein. C'est Bagatelle pour un massacre, le retour, hein. C'est ça le livre à écrire aujourd'hui, sous pratiquement la même forme d'ailleurs et avec le même fond, mais j'ai pas le temps, et donc je le fais de façon un peu de façon socratique, hein, n'oubliez pas que Socrate n'a jamais rien écrit, ni Jésus, hein. Y a d'autres qui ont écrit derrière eux, parce qu'ils étaient effectivement dans un combat immédiat et dans une urgence, faut pas oublier, hein.